Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Tyson Sooz. Est-ce que je vais brûler? Non, je suis quand même derrière une chute. Mais par contre, si je fais ça, eh ben je rebondis contre la chute. Logique. Non mais ma flèche! Ah, elle est revenue. The fuck? Wait, what? T'es en train de me dire que je pouvais venir au temple suivant depuis ce temple. Ah oui, merde, depuis... Oui, en effet, oui. Cherchez pas, je suis con. J'avais pas remarqué les petites pierres qui permettaient de monter jusqu'à la zone où j'étais juste là. J'ai regardé sur l'autre écran, puis j'ai vu justement ces dites pierres. Puis je me suis dit, ah mais oui, mais merde, c'est vrai, il y avait ça. Alors là, très clairement, les pierres auraient été plus rapides. Ici, nous avons trois boss. Lui. Remarque, je sais que j'ai vu un truc squelette et que de l'autre côté j'ai vu la tête d'un squelette. Peut-être qu'il n'y a pas le corps, peut-être qu'en fait il faut le... Oh, je sens que je vais l'aimer ce boss. Oh non, je sens que je vais le détester. Où est ton point faible? Il est là. Je ne t'aime pas. Wow! Il y a trop de trucs à l'écran. Oh oui, du métal. Dès qu'il se met à tourner, je peux essayer de tirer en fait. Ça devrait être bon. T'as fini, oui? Arrête ça. Mais t'as fini? Ouais, c'est parce qu'il avait pas utilisé son autre. Non. Mais t'as fini? Merci. Bien. Coupé totalement. Reviens ma putain de flèche. Où elle est? Elle est là, j'ai. Aïe. J'ai eu bobo. Mais vas-y, je t'ai touché, quoi. Mais vas-y, je te tue. Je suis sur ma flèche. Je t'emmerde. Je fais du pinball dans les escaliers. Avec mon corps. Trop classe. Non, t'es con! Arrête de faire des paix.
Oui, c'est bon, t'as fini? Tu t'emmerdes. Mais ta gueule! Salaud! Alors désolé pour les bruits qui craquent, hein. C'est ma chaise. Et les chaises en bois. Alors. Hop, vas-y. J'ai pas compris comment faire pour le convaincre de faire son mode en flocoptère. Et il l'a fait. Oh, il y était. Pas. Mais pour mon moral, on va dire qu'il y était. C'était bien la mauvaise idée. Rends-moi ma flèche. Je l'ai. Oui, je l'ai. Je vais l'avoir à un moment. Putain. Allez. Je t'aurai. Un jour. Arrête de faire ça. Commence à tourner sur toi-même, s'il te plaît. Arrête ça. Mec. Mais vas-y, fais autre chose. T'as pas que ce moveset dans ta vie. Allez. Fais l'autre. Je t'attaquerai pas. Je ne t'attaquerai pas tant que tu feras ça. Puis je sais que si je vais dans sa direction, il sera beaucoup trop rapide et du coup, je vais mourir. Ah non. Voilà. Puis là, il décide de le faire. Je t'emmerde. En fait, il décide de le faire que quand je suis près de lui, quoi. Je crois que j'ai compris ça. Mais ça va pas m'être très utile. Regardez, là, je suis près de lui. Il le fait pas. Et il aurait pu le faire, mais il s'est dit non. Là, il le fait, puis je me... Il le télégraphe même pas, en plus, son truc. J'arrive pas à me rendre compte quand est-ce qu'il le lance, quand est-ce qu'il le lance pas. T'as même pas une seconde de réaction. Je t'emmerde. Il y était la flèche. Ce qui me fait triper, c'est quand même que je me dis que là, je crois que le jeu est trop fort. The fuck. Par rapport à ma voix. Mais en fait, c'est que là, techniquement, sur OBS, je joue à Freedom Planet. C'est incroyable. Il fait son reflocoptère. Mais il y a deux. Je t'emmerde. Il le fait. Je n'ai pas le bon sens. Pour
On a laissé un commentaire sur YouTube. Ah oui, par rapport au changement de la voix de Mercy. Parce qu'en plus de sauf erreur dans Overwatch, oui, je sais, totalement rien à voir, c'est que la voix de Mercy, l'original, sonnait quand même déjà plus suisse-allemand qu'allemand. Contrairement à la nouvelle. Les mecs croient qu'en Suisse, on parle l'allemand, alors que non. C'est du suisse-allemand. C'est comme si tu disais qu'au Québec, bah, les mecs parlent exactement le même français qu'en France. C'est pas du tout le cas, les gars. J'étais bloqué. Tu fais ton reflocopter, Chimère? Oui, il l'a fait. Oui, dans ton cul, dans ton cul, dans ton cul. J'étais eu. Putain, il était temps. Je suis devenu trop puissant. Ou pas. J'aimerais bien pouvoir ressentir des upgrades à chaque fois que je tue un boss, mais y'a rien. Y'a que dalle. Je suis presque sûr que l'excuse du jeu, c'est qu'en fait, si tu deviens de plus en plus puissant parce que tu as gagné l'expérience de ce boss, mais non, non. Alors toi, t'étais dans... T'étais dans Skyward Sword. Putain, le boss, on peut crever contre lui avant même de l'activer, quoi. Il est dangereux, hein. Par contre, après cette vidéo, je crois que je vais aller faire un petit sound check. Parce que... Bah, attendez. En fait, on va voir tout de suite. Activer, quoi. Il est dangereux, hein. Non, c'est bon. Le son est bon, ça va, on entend bien. Qu'est-ce qu'il fout, mon perso? Aïe! Ça va être chaud de toucher son œil en fait. Je vois pas trop. Ouais, mais il y a du feu partout. C'est quoi le délire du boss là? Il essaie de me piéger. Mais il va trop vite. Et mais ça va être chaud de toucher son œil là, tout pile. En plus, c'est un boss 3D contre un personnage 2D. What the shit. C'est incohérent graphiquement. Là, je suis dans la merde. Ouais, mais je suis dans la merde en même temps. Je suis bloqué par du feu. Putain, tu parles d'un boss cheaté. Tu m'es su, je peux pas être précis en 2D. Hein. Tu me donnes la 3D, là, c'est bon. Je suis précis, mais là, non.
Genre, faut comprendre son skin, son modèle, comme ça tu sais à quel moment t'as l'œil en face de toi. C'est. Voilà, dans ton cul. C'est ridicule comme boss. Dead. C'est moi qui ai gagné. Et je me crosse. Tiens, j'ai reçu un message dans ma boîte mail. Juste vérifier ça vite fait. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est par rapport à YouTube. M'en fous. Merde, Twitch. YouTube. Voilà, donc ces deux boss sont faits. Et le prochain boss, il est en face. Ouh, il est derrière moi. Mais probablement pas. Et où il est par contre? Oh! Bah là derrière. Obviously. J'ai changé de jeu là, je suis sur Slime Rancher, c'est ça? Tiens, avale ça aussi. Oui, toi. Ouais, donc clairement, il faut que je touche ces cristaux qu'il a sur la gueule. Comment? Ah, t'as bouffé ma flèche du con. Ouais, ma flèche. Tu pourrais cracher ma flèche, please. Ma flèche. Ma flèche. Oh, j'ai pigé. Ce truc explose. Viens ici. Ah, comme une grosse merde. C'est ça, je vais lui faire bouffer ma flèche. Comme ça, je la tire jusqu'à un de ces trucs qu'il a créé. Et il fait boum. Tiens, bouffe ma flèche maintenant. Elle est bonne? T'aimes ça, hein? T'aimes ça, mon cochon? Viens par ici. Merde. Ça va être très chaud. Chaud parce que c'est un boss de feu en plus. Viens ici. Quoi? J'ai pas compris, chef. Pas compris comment ça marchait. Team bouffe, je meurs, on est d'accord. En fait, je crois qu'il doit lui-même avaler. Non, je sais pas. Je fiche pas en fait. Est-ce que je dois utiliser le fait que je peux l'attirer quand il bouffe ma flèche ou je dois utiliser autre chose? Je dois utiliser le fait qu'il rétrécit, c'est peut-être ça. Bouffe ma flèche. C'est clairement pas ça. Bouffe ma flèche. Je sais que t'en as envie. Elle est bonne. J'ai brûlé.
Je sais pas en fait si je dois lui dire de bouffer ma flèche ou pas en fait. Le truc est là. Ouais non, c'est pas lui. Ouais, non, c'est pas lui. Ah non, merde! Donc, c'est ce boss-là, il demande un timing de fou. Ouais. 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 Ah, bah oui, mais je suis con, c'est vrai. Non, donc j'ai regardé la technique. La technique, c'est juste que je suis très con. Parce que... Il faut bien lui faire bouffer ta flèche. Et il faut faire en sorte que... Ces trucs-là, il les crache, mais genre juste à côté de lui, quoi. Comme ça, je peux l'attirer plus facilement. Vu que de toute façon, ces petites boules de feu à la con, il les tire, mais super loin. Ah oui, non, mais merde, c'est que par contre. Vas-y, hop. Comme ça, tu peux détruire celui-là. Il m'a bouffé! Ah bah là, il était juste à côté en plus. Merde. Oui, j'utilise un petit peu une soluce, mais c'est parce que franchement, si je galère pendant tout un épisode sur un boss, on n'aura pas fini, puis ça va juste ruiner la VOD, quoi. C'est un peu relou. Tiens, bouffe ça. Vous pouvez pas attirer à côté de toi? Vas-y. Fais-moi exploser cette merde. Mais je t'emmerde! Putain, mais encore une qui l'a tiré juste à côté de lui, quoi. On va y arriver. Je le sais. Par contre, j'aimerais bien que OBS soit ouvert dans la fenêtre en face. Sauf que je vois. Elle est bonne ma flèche, hein. Merde, non! Il fait tout exploser. Non, 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 il l'a fait exploser. Putain, mais là, tu décides de l'envoyer à côté de toi, quoi. Quand je suis en vie, il décide. Non, non, je l'envoie super loin. Ça sert à rien, de toute façon. Y a que quand je suis mort que là, il se dit, ah, bah, t'envoies à côté de moi. Ça peut être intéressant. Tiens, bouffe. The fuck? Je dirais que fait bouffer la flèche. Ça n'a pas marché comme espéré. Mais bordel! Cet aspect 3D, 2D, c'est vraiment ma perte à chaque fois. Je me dis, ah mais c'est bon, il va toucher la pierre avant moi. Non, non, il touche moi avant la pierre. Viens par... Aïe!
C'est brutal, hein, franchement, pour du 2D, bordel. N'empêche, c'est pas parce que j'ai regardé la soluce de comment on est censé buter le boss que je me débrouille tant mieux que ça, hein. Viens par ici. Ah! Fais chier. Viens ici. Bouffe! Foutage de gueule! Putain, mais faut le savoir, ça! Je l'ai même pas lu dans la soluce. Oh bordel. Tiens, bouffe ça. Viens ici. Viens par ici et bouffe. Je t'emmerde le jeu. Putain. J'ai déjà fait la blague qu'un boss de flamme qui est chaud, c'est... Ah, c'est drôle. Mais putain, qu'est-ce qu'il est chaud. Viens par ici. Explose. Je suis où? Ah bah j'ai explosé moi aussi. C'est chaud de l'attirer sans être à côté du truc, quoi. Puis étant donné qu'il l'amène toujours vers un mur, vas-y, comment tu fais? Te laisse pas assez d'espace, ce con. Bouge ça. Viens par là. Mais bordel! Il est impossible ce boss. Hein. Enfin si, il est possible, mais... Il est relou! Faut un timing du tonnerre pour ce boss! Parce qu'en plus, c'est pas comme si l'aspiration de ta flèche, ça allait vite, hein. Bah oui, il tire la... Il a carrément sauté dessus, là! Il m'a carrément simplifié le travail et pourtant j'étais mort. Bouffe ça. Viens par ici aussi. Là, tu fais exploser, t'es content maintenant. Viens par là. Putain, il vient pas! Quand il saute, c'est genre fuck ta physique, c'est moi qui décide ce que je fais. Il décide ce qu'il veut, hein. C'est lui qui a l'avantage, c'est son terrain, pas le mien. C'est bon, là il va le détruire, moi je brûle comme une grosse merde. Ouh, le boss relou. Bon, j'ai au moins tué un boss dans cette VOD, non? Ouais, il me semble que j'ai tué l'autre. Le boss roux, à 15 minutes. Enfin, le boss roux. Le boss boule. D'ailleurs, ça a l'air d'être le thème, hein, les boules. Dans ce... Voilà, là, ils veulent le détruire. Moi, je l'ai dans le cul. Le problème, c'est que si je suis à côté, j'explose. Si je fais pas gaffe, ben de toute façon je me le prends dans la gueule. Parce que il y a ces petites boules de merde. Hein. Voilà, là tu. Il tire n'importe où! C'est même pas précis son truc. Regardez, là de toute façon, je peux pas la tirer là, il le fait exploser.
Il faudrait limite, c'est qu'il décide lui-même de sauter sur le son truc. Hop. Genre lui-même comme un gros con, il va. Eh, hey, c'est que j'y arrive en fait. J'arrive à te le pousser. Là, bizarrement, il s'est dit non, je vais être de ton côté. Hein? D'ordinaire, il saute à l'opposé. Là, non, de mon côté. Putain. Ah, il est gonflant ce boss. Hein. Prochain épisode? Prochain épisode.